Salut les toqués, chapeau les toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation collection des bouquins donc horreur. J'en présente 5 d'habitude, j'ai triché, il y en a un peu plus là, c'est histoire de finir ma première planche. Donc on va commencer sans plus tarder avec un bouquin que j'avais vu chez Cash pour 4 €, donc qui était dans les éditions Atlas. Film d'horreur, voilà, avec Nosferatu en cover. Donc c'est un vieux livre avec quelques photos couleurs. Donc là on a Christopher Lee dans un rôle de Dracula. Et donc sommaire, Dracula contre Frankenstein, le club des monstres, le baiser du vampire, le grand retour du loup-garou. Donc ça va revenir en détail sur certains films vraiment classiques du cinéma d'horreur. Hein. Là on a Phantom of the Paradise, The Brian de Palma. Et encore une fois, c'est un livre assez richement illustré, que je suis aussi content de posséder, hein, qui doit être assez facilement trouvable, suffit d'occasion. Et ça doit être peut-être un des plus abordables au niveau du prix. Il est déjà vraiment pas mal en termes de photos et contenu. Là, c'est quoi, c'est Vidéodrome? Je sais pas trop, Poltergeist, Vidéodrome. Donc, Damage Brain. Ça, c'est la 4e dimension, je crois. Donc voilà, film d'horreur, sobrement intitulé ainsi. Ensuite, un petit peu dans la même veine, de chez Casterman, 80 grands succès du cinéma fantastique, présenté par Pierre Tchernia. Donc dans la même veine, il y a le cinéma d'aventure, comme ça, cinéma comique français, cinéma comique américain, et le cinéma policier également. J'aimerais bien avoir celui sur le cinéma d'aventure et les comiques français et américains, donc à l'occasion, je les chercherai. Donc voilà, donc je l'avais eu à 1,99€ en cash, celui-là. Pareil, c'est les bouquins, donc c'était chez Casterman, ceux-là. Et là, ça va revenir, une fiche, un film. Donc là, les aventures du baron de Munchausen, donc avec Robin Williams, entre autres. Film de Terry Gilliam, je crois. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis une bêtise? Les aventures fantastiques du baron de Munchausen. Ah non, ça c'est l'original, donc rien à voir. Le bal des vampires de Polanski, forcément. La compagnie des loups. Le 5000 bottes du Docteur T, que j'ai récupéré il y a quelques mois. Voilà, l'étrange créature du lac noir, mourir de plaisir, la féline, le fantôme de Milburn, histoire d'outre-tombe, donc j'ai, c'est dans les British Terror, King Kong, la version de 76. Donc voilà, encore une fois, un bouquin assez sympathique, il faudrait que je me chope, du coup les autres, ça peut m'intéresser. Donc voilà, ensuite, on monte crescendo en termes de qualité, édité chez Ugin et Munin, donc vendu 27€, c'est le Bat Clowns, voilà. Donc on va revenir sur le clown à travers la pop culture, donc littérature, cinéma, série télé, jeux vidéo, BD, même le rock, hein, parce que notamment Slipknot utilise pas mal de personnages avec des têtes de clown, ou sinon il y avait le rap aussi avec Insane Clown Posse, donc voilà. Et encore une fois, donc ça va être très 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 richement illustré et détaillé. Donc la Violator, c'est quoi ça? C'est dans Spawn, peut-être? Voilà, donc là on avait pour Vendetta. Il doit forcément avoir Captain Spaulding, par exemple. Bon, ben voilà. Captain Spaulding. J'ai pas encore eu le temps de le feuilleter en détail et de le lire. J'ai plutôt lu celui que je vais vous présenter juste après. Frowny, donc c'est le clown dans Clown, de Eli Roth, qui est vraiment excellent. Donc là, on est vraiment sur le côté cinéma. Donc là, je crois que c'est Terrifier, que j'ai pas vu, mais qui paraît-il est vraiment, vraiment excellent. On a The Fun House, donc Massacre dans le train fantôme de Tobe Hooper. Voilà, et là on a Buster avec Clown dans Master of Horror. Donc voilà, un très très bon bouquin, hein, que je pense est encore assez facilement trouvable. Alors bon prix ou pas, je sais pas, mais il doit être trouvable dans le domaine de l'occasion. Donc je vous le conseille, ça a l'air vraiment vraiment passionnant. Je l'avais vu pour mon anniversaire il y a un an, je crois, par ma chérie. Ensuite, c'est celui-ci que j'ai dévoré, je l'ai eu le lendemain, je l'avais fini, je crois, ou 2 jours après. Bad Requin, l'histoire de la Sharkploitation. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez que je suis passionné de ce qui est film mêlant animaux, donc les films avec les araignées, avec les serpents et notamment les requins. Et c'est vraiment un très 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 bon bouquin. Ça va revenir très en détail sur les origines et sur le mythe qui est né petit à petit, donc la Sharkploitation. Donc on va commencer par parler du cinéma bis plutôt italien et de, bien évidemment après de Jaws de Spielberg. Et ça reviendra après en détail sur les suites des Dents de la Mer, tout ça, sur d'autres films
à tendance aquatique, style l'étrange créature du lac noir, ou encore Piranha, tout ça. Et après, ils vont s'attarder sur tout ce qui est nanar et vraiment pure Sharksploitation bis, style production Asylum ou Zillow, dans la veine des Sharknado ou des Mega Sharks, etc. Et après, ben, ça va parler de tous les films de requins en règle générale. Donc là, on a Peur Bleue. On aura à chaque fois des anecdotes sur le film, différentes affiches, donc ce qui est vraiment cool. Voilà, nouvelle vague. Donc là, c'est. On va commencer à être la veine de tout ce qui est film dérivé de requins très CGI-isé, avec par exemple Jurassic Shark, Jaws of the Death. Là, récemment, il y a House Shark, Amityville Shark, Shark Exorcist. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est bigger and stronger à chaque fois, quoi. Voilà, donc la fameuse saga des méga. Donc on a Mega Shark vs Giant Octopus, on a Sharktopus, Mega Shark vs Mecha Shark, vs Colossus, vs Crocosaurus. Il y en a que j'aime beaucoup. Pour le nom, c'est Raiders of the Last Shark, parce qu'il y a un vrai jeu de mots sur Raiders of the Last Ark. Et rien que pour la recherche, je trouve que c'est vraiment bien branlé. Le film en lui-même doit être une purge. Hein. Là, on a The Shallows, donc Instinct de survie, qui est un des derniers très très bons films de requins avec Blake Lively. Bref, c'est un livre qui est trouvable aux alentours de 30 euros, peut-être d'occasion moins cher, encore que je ne crois pas. Et je le conseille fortement à tout le monde, et notamment Rome Ciné, Rome Capron, si tu ne l'as pas encore, il te faut ce livre. On va continuer avec un très grand bouquin que j'ai eu pour 10 euros, je crois, en vide-grenier. Je trouve que c'est vraiment un bouquin qui valait le coup. De base, c'est pas un genre que j'affectionne tout particulièrement. Donc, ce qui est polar, film noir et film policier. Et là, donc, c'est un très grand livre qui s'appelle L'art du film noir. Donc, quand je vous dis très grand, il est vraiment, vraiment grand. Voilà, recto, verso. Il est protégé par une pochette plastifiée. Le gars l'avait mis, donc je trouve ça très sympa et du coup, je l'ai laissé. Et là, encore une fois, ça va revenir en détail sur l'histoire donc du polar, du cinéma noir avec des très, très, très belles affiches à chaque fois concernant les films. Là, c'est un film avec Robert Mitchum et Gene Simmons, donc ça s'appelle Infernal Beauté. Je vais dire Infernal Beauté. Voilà. Donc ça me permettra de découvrir pas mal de choses. C'est un genre que je pense me pencher dessus bientôt. Voilà, là on a Dragnet, donc avec Jack Webb. Voilà, donc c'est vraiment vraiment super 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 illustré. The Hitchhiker, M le Maudit. Voilà. Cornered. Je sais pas jusqu'où ça va par contre en termes d'époque. Je pense que ça doit vraiment se focaliser sur ce qui est années 50-60. Donc là, c'est un film avec. Ça s'appelle quoi? Deux rouquins dans la bagarre. Avec John Payne, Harlan Doll et Rhonda Fleming. Voilà. Donc des très 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 belles affiches. Et je vais en prendre une dernière pour terminer. The Story of Molly avec June Havoc, John Russell et Dorothy Hart. Voilà, donc vraiment un super super bouquin qui de base était quand même vendu 45 euros. Mais franchement, c'est vraiment un livre qui le vaut, quoi. Donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, deux livres que j'ai récupérés aussi de manière très improbable sur Vinted. Et je suis hyper content de les avoir parce que vraiment, je les ai eus les deux pour 8 euros. Quand on sait que pièce, ça vaut aux alentours de 40-50 euros quand on a de la chance encore. Ce sont les Krynos Monsters, donc là c'est le premier, donc écrit par Jean-Pierre Putters, donc le cinéma bis du nanar au chef-d'œuvre, donc pareil encore une fois très très richement illustré de photos couleurs, noir et blanc, d'articles, d'anecdotes de tournage, c'est tout bonnement génial ces bouquins, c'est. On a quoi contre Las Fantasmas, Bud Abbott, ah ouais, Abbott et Costello, voilà. Attack of the 50 Foot Woman, un film que j'aimerais beaucoup avoir. L'attaque de la femme aux 50 pieds. Un peu dans la même veine que l'incroyable homme géant. La chose surgit des ténèbres, The Deadly Mantis. Je suis très content, je l'ai trouvé là il y a peu, donc vraiment cool. Monster and Home Stand. Là on a quoi? Un peu de style de Godzilla, tout ça. Et là on a Spaceman contre Satellite. Donc vraiment c'est. Ce sont sûrement deux de mes plus belles pièces de la collecte, hein, je dirais. Je vous en présenterai d'autres, hein, mais clairement, ces deux bouquins-là en font vraiment partie, quoi. Et le fils du docteur Jekyll. Donc ça, c'est le premier. Donc avec un espèce d'ersatz de la créature du lac noir et le robot de la planète interdite, pour le premier. Et le second, je crois qu'il y en existe quatre, donc trois, vraiment. Et le quatrième, c'est une reprise un petit peu des deux, trois premiers. Là, on a clairement donc le robot de la planète interdite et Robocop. Voilà.
Et là, encore une fois, hein, je suis hyper content de l'avoir. Encore une fois, très très richement illustré. Donc là, on a par exemple Reanimator. C'est aussi par thématique. Là, on a Le Tueur de la Jungle avec Johnny Westmiller. Donc, le premier acteur qui a incarné, je crois, Tarzan, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a quelque chose sur les insectes géants. Donc, on a Zem et puis on a l'invasion des araignées géantes. Donc, avec des superbes affiches à chaque fois. Hein, c'est vraiment, vraiment génial. Mothra. Voilà, là, on a la Galaxie de la Terreur avec un petit rôle de Seed Egg, notamment. Film de Roger Corman. Là, on a La Mouche. David Cronenberg avec Jeff Goldblum. Voilà. Les soucoupes volantes attaquent, je l'ai aussi celui-ci. Flying Saucer. Pardon. L'homme de la planète X. Voilà. Les monstres de l'espace. Les enfants de l'espace avec Attention Blob et Terreur Blob. Et par exemple, L'homme atomique contre Superman. Donc voilà, vous voyez vraiment du cinéma d'horreur, bis, nanar, tout ce que vous voulez. Donc c'est des vraies pépites ces bouquins-là et je suis hyper 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 content de les avoir. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Jouez Nananive, mais ok, ciao fucking ciao. Thank you.